Allez, bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Euh, bah, ce soir, je vais faire comme je le dis tous les soirs, je vais essayer, même c'est très difficile comme exercice de faire un live court, il y a tellement de choses à dire, mais euh, je vais essayer. Euh, donc je vais traverser... Euh, plusieurs euh, sujets très très vite euh, alors je vais commencer euh, on va commencer par l'Algérie et donc je vais vous diffuser euh, le message de de cet homme hein. je vais vous montrer sa chaîne en tout cas la chaîne sur lequel, laquelle le message euh, apparaît et on va l'écouter, ça dure deux minutes, c'est important ce qu'il dit voilà, c'est Hugo Paolo Lenti allez c'est parti Mes chers amis d'Algérie, bonjour, là où que vous soyez. J'espère qu'aujourd'hui, vendredi 5, 5 avril 2019, l'Algérie va quand même commencer à retrouver ses richesses. Alors aujourd'hui, euh, je m'adresse directement aux Algériens et aux autorités qui ont encore le plein pouvoir, là-bas, ou le pouvoir de dénoncer une situation qui est très grave, très 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 grave. Écoutez-moi, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Euh, vu la position actuelle d'Alger, avec euh, le renvoi immédiatement du président Bouteflika, qui a ramené toute une mafia de mercenaires, écoutez-moi, c'est très important. Il y a des mercenaires étrangers qui travaillaient pour le compte des Bouteflika. Qui sont actuellement dans le Hogar algérien. Bon, au lieu dit Tiririne et En amgul. Je dis bien Tiririne et En amgul. Il y a des filons d'or et de diamants qui appartenaient à la Sonarem. Actuellement, c'est devenu la propriété privée des Bouteflika. Et actuellement, il y a des mercenaires qui travaillent. Ils ont tout un campement là-bas. Ils travaillent. Ils sont en train de tirer des gisements d'or et de diamants. Et ils les prennent directement en Land Rover et ils sortent vers le Mali. C'est des quantités très, très, très importantes d'or et de diamants dans les filons 13, 14, 15, 19, 21, 27 et 33. En or, je dis, hein, Dans les lieux dits Enamgal, Tiririne, dans le gars, dans le Hogar algérien. C'est beaucoup plus vers euh, Taman Rasset. Alors, je, j'avise la population qui, qui est au, qui n'est peut-être pas au courant, les autorités non plus, parce qu'en ce moment, ils sont tous occupés à, à courir pour devenir président de la République, mais il faut trouver une solution beaucoup plus urgente pour euh, 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 immédiatement isoler ces personnes et, et arrêter ce vol qui, qui est très très grave quand même. Il quand même, faut être quand même sérieux. Il n'y a pas uniquement le poste de président de la République qui est actuellement en course. Les gens, ils sont en train de dilapider l'économie de l'Algérie. Transmettez ce, ce message c'est vraiment très important. Voilà, c'est. Il a raison, ce message est important. Donc je rappelle aux personnes qui n'ont pas l'habitude de me voir avec des lunettes que c'est des lunettes euh, bon, bah, celles que j'ai prises sans correction, mais euh, qui nous protègent, qui, vous, qui peuvent vous protéger. Je vous conseille d'en acquérir une paire de la lumière bleue diffusée par les écrans mais aussi par les lampes économiques euh, et des ultraviolets par la euh, même occasion. Voilà. Et une quarantaine d'euros chez tous les opticiens. Vous arrivez, euh, vous partez avec. Donc, euh, ensuite, euh, on va continuer voyager je voulais vous montrer euh, vous savez euh, en syrie comme en afghanistan comme dans plein d'autres pays les américains et leurs alliés bien entendu la france en fait partie euh, ont déclaré que ce soit sous obama en afghanistan sous trump en syrie que euh, les troupes euh, leurs troupes seront euh, retirées. Euh, bon, en Afghanistan, vous voyez bien qu'il n'en est rien. Toutes les déclarations de Obama, comme quoi c'est fini en Afghanistan, on est parti. Les troupes américaines euh, restent mobilisées, restent attaquées, attaquent, euh, et, en, et en nombre conséquent en Afghanistan. C'est d'ailleurs Poutine, lorsqu'il a été interrogé, sur euh, sur le sujet par rapport au départ annoncé euh, de la Syrie par Trump des Américains qui a qui a ironiquement dit euh, moi j'attends toujours qu'ils tiennent leurs promesses concernant l'Afghanistan donc il a déjà donné une réponse par rapport à la Syrie euh, alors pourquoi je vous dis ça parce que finalement c'est la même comédie hein. euh, on dit ils disent que les troupes partent de syrie mais pour euh, mener en réalité la chose qu'ils maîtrisent le mieux c'est-à-dire une guérilla euh, de rebelles une guérilla de terroristes contre euh, toujours le, le même visé le régime légal euh, syrien donc de bachar al-assad c'est malheureux, hein, mais vous voyez, c'est toujours les mêmes méthodes terroristes. Donc voilà, on va regarder durant euh, depuis le début avril, hein, c'est-à-dire en une dizaine de jours, regardez le nombre d'accrochages et euh, d'attentats et d'explosions qu'il y a eu à euh, Idlib. Euh, là, c'est juste une localité. Idlib, dont euh, les alliés ont exfiltré euh, plusieurs terroristes. Bien, regardez la guérilla euh, du, des rebelles, euh, ces terroristes donc mis en place par euh, l'alliance autour des États-Unis. Euh, tout ce qu'ils ont déclenché comme embuscade. Euh, contre les forces légales donc euh, syriennes euh, durant les dix derniers jours les dix derniers jours pardon là je ne sais pas si vous arrivez à lire hein, un véhicule donc euh, un véhicule qui explose deux civils blessés Une bombe sous un véhicule. Un civil tué. Et c'est que des incidents comme ça. Ici, les rebelles attaquent des positions de l'armée légale. Ici, c'est la même chose. C'est une attaque contre l'armée légale. Ici vous avez euh, toute une famille qui a été euh, qui a été tuée, hein, une famille, euh, toute une famille euh, syrienne euh, qui a été tuée. Voilà. Toujours. On les connaît maintenant, hein, les, les vrais terroristes. Il y a, il y a, une, euh, il y a une caricature. Je ne sais pas si j'arriverai à la trouver, mais un jour je vous la diffuserai. Elle, était, elle est géniale parce que vous voyez un petit garçon qui tout effrayé euh, regardant euh, la télé demande à son père qui sont qui sont ces terroristes et euh, en fait à la télé euh, c'était un documentaire qui montrait euh, la, la la bombe nucléaire explosée à Hiroshima donc vous savez cette bombe nucléaire envoyée par les États-Unis. Mais pour les leçons de morale, les États-Unis, bien entendu, vous savez, comme la France, sont les premiers et les champions. Euh, à propos, regardez, euh, la France se fait encore épingler donc, par des autorités internationales là, c'est l'ONU. Et donc l'ONU euh, est scandalisée. La rapporteuse spéciale de l'ONU accuse la France de violation des droits humains. Donc nous, bon, maintenant en tout cas les Gilets jaunes, nous sommes au courant. Hein. Donc par rapport au traitement, aux sans-abri, sur, même sur d'autres plans. Ça c'est ce que je vous disais depuis le début les amis. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de changer les lois ou de mettre des riques pour changer des lois. Les lois existent. Le problème, c'est que les juges font ce qu'ils veulent. Ils, ils ne les appliquent pas, en tout cas, ils appliquent leurs propres lois, les lois maçonniques. C'est ce que dit la rapporteuse spéciale de l'ONU. Elle dit Sur le plan du droit, la France est exemplaire. Je veux dire, on ne peut pas dire mieux, mais elle méprise sa mise en œuvre. Elle méprise. Elle méprise les droits de ses citoyens et même sans être citoyen, elle méprise les droits de l'humain. Donc je vais pas tout vous lire, mais vous voyez par exemple la comédie, c'est Sarkozy qui a instauré le DALO, euh, mais. C'est du foutage de gueule parce que c'est pire que d dans d'autres pays où il n'y a pas le dalo. Le dalo qui est le droit euh, opposable à un logement. Là, vous le constatez tous, nous le constatons tous, une manière cruelle de traiter les sans-abri. Sans Et pas que les sans-abri. Hein. Voilà. ensuite euh... alors euh, bah tiens je vais vous passer un, un, un court passage de deux minutes euh, c'était votre serviteur donc lorsque je m'étais présenté aux législatives dernières, 2017, mon seul passage télé, hein, ils se sont trempés euh, parce que c'était chronométré, donc euh, à un certain moment euh, ils ont interchangé les personnes. Au final je me suis j'ai dû me battre pendant toute l'intervention pour placer des mots. Euh, il m'identifie le présentateur comme étant euh, euh, de droite euh, et euh, cet intervenant du NPA, ces gauchistes euh, manipulateurs, me dit euh, non mais toi tu es euh, copain avec le FN. Donc voilà, vous pouvez trouver l'intégralité de l'intervention euh, sur ma chaîne YouTube. Là je vous montre juste la séquence où ce même donc intervenant du, du NPA, ce gauchiste manipulateur, euh, euh, balance la manipulation que aujourd'hui ça s'est calmé, mais à l'époque euh, tous les médias français, avec Hollande, euh, euh, Jean-Marc euh, Roth, euh, répétaient à longueur de temps, c'est-à-dire qu'il y a des camps de concentration d'homosexuels en... en en Russie, euh, que les homosexuels sont saucissonnés, euh, bon, sans jamais la, le moindre début de preuve, hein, soi disant qu'on a quelqu'un qui est revenu de là-bas qui a dit que, hein, c'est le drame en France, hein, les huit dires hein, et les témoignages euh, masqués, euh, à visage caché. Euh, alors qu'on a, on a des preuves sur plein de scandales, hein, mais bon les médias, apparemment, ça, les vrais scandales, ça ne les intéresse pas. Alors voilà, je vous propose de regarder cette courte séquence. Je vous rappelle que l'intégralité de la vidéo est sûrement YouTube. Bon bah à la fin ils m'ont mis dehors, hein, parce que pour moi, ce pas acceptable de rester, de fermer sa gueule et de laisser dire n'importe quoi. Moi, je voulais aborder un sujet qui est assez peu abordé, à mon avis, dans les médias, au vu de la, de la gravité de la situation. C'est la politique criminelle en ce moment en Tchétchénie contre, de répression contre la communauté homosexuelle. Parce qu'il faut savoir quand même. Donc, tu vois, ça, c'est le cinéma habituel, Et... ça. Ouais, ça excusez-moi, je, je, je vais juste vous demander de laisser à la carte blanche. Allez-y, ah pour, poursuivez, poursuivez. Non, si vous, vous avez beaucoup trop parlé. Vous étonnant. en avez la preuve de Excusez-moi, vous en avez beaucoup trop parlé. Excusez-moi, excusez-moi. Les réfugiés qui sont arrivés en France. Vous n'en avez allez, aucune preuve. C'est juste, tout. Vous, si vous répétez du si, blablabla. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous demander de, ce qui, ce qui je vais vous va va demander de vous interrompre ou je vais vous demander de quitter le plateau des... si vous ne laissez pas parler les autres candidats. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Vous quitter le plateau. Le alors, si vous ne pas vous voulez pas laisser parler les, les autres mais, candidats, excusez-moi, je vous demande de quitter le plateau tout simplement. Voilà. Moi, j'aime bien. Je vais vous laisser parler les autres candidats. Je vais vous demander de quitter le plateau si vous ne me laissez pas parler. les C'est la dernière fois que je vous le demande. Vous pouvez me demander Comment que vous. si vous, vous avez un problème. problème avec les consorts. Vincent Fournier, s'il vous, vous plaît, allez-y. L'homosexualité ou le féminisme, vous pouvez. Vincent Fournier, s'il vous plaît, je vous laisse oui. faire votre carte mais blanche. Allez-y. C'est le sujet. J'ai des donc, problèmes avec vos mensonges. Oui, bien sûr. Donc il n'y a aucune, euh, aucun problème vous en l'homosexualité. Vous répétez des bêtises. Médias Noir, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le plateau. La théorie du complot. Allez-y. Euh, donc il y a euh, une, une véritable politique de répression, il y a y compris des, des Tchétchènes qui sont arrivés en France dernièrement. Et il faut qu'il y ait un effort là-dessus du gouvernement français pour aider bien sûr à, à ce qu'ils viennent plus facilement et à ce qu'ils aient un visa plus rapidement c'est enfin, quand même une gravité euh, c'est des camps de véritable de camps de concentration même si c'est certainement <laughs> une, non, là, énorme. Une... Excusez-moi, excusez c'est juste c'est juste pas possible, s'il vous plaît je vous demande à tous, alors soit vous interrompez soit nous rendons l'antenne et le débat va s'interrompre et ce sera inégal pour l'ensemble des candidats Très bien, et eh bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce débat, pour les téléspectateurs visiblement que vous ne respectez pas, nous allons être obligés d'interrompre ce débat c'est donc la fin de cette édition nous ferons des interviews avec vous, vous aurez du temps de parler à moins que monsieur M Noir quitte le plateau et permette aux autres de s'exprimer. Vous ne souhaitez pas quitter au le minimum plateau Je ne laisse pas dire de bêtises Est-ce Est que vous est que est pouvez laisser les autres parler C'est comme les, les autres bêtises ouais. euh, sur le salaire. le salaire Mais salaire. Je m La théorie du complot, bah euh, ben oui, les complots existent, mon gars. Réveille-toi, hein. réveille-toi et arrête de croire à tout ce que les médias répètent. Vérifie tes informations. Euh, alors, on va finir avec euh, ce mal, ce drame français, un des drames français, l'ENA, hein, l'école. Des, des élites, l'école euh, des catastrophes. Euh, regardez ce document de 1974, euh, de deux minutes. On va regarder ensemble. Pour former... Moi, j'étais pas né hein, en 74, hein, mais regardez. Euh... Pas grand-chose qui a changé. Hein. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration. 1945, l'ENA, l'école nationale de l'administration, est créée. Son fondateur, Michel Debré, voulait en faire une école de la méritocratie, où toute la société française serait représentée. Mais 21 ans après son ouverture, certaines critiques s'élèvent. Cette haute école serait élitiste. Pas vraiment représentative de la société française. Comme dans toutes les universités françaises, très peu de fils d'ouvriers ou de paysans. quatre ou cinq par promotion. Car si le concours est ouvert à tous, l'école impose des codes tacites. Et certains élèves le reconnaissaient. Il est plus simple d'intégrer l'établissement en étant bien né. Monsieur Debonne-Corse. A eu lui la chance d'avoir baigné tout jeune dans le milieu des grands fonctionnaires. Est-ce que vous croyez que ça aide aussi d'avoir, d'appartenir à une famille où il y a déjà des gens qui... euh, Sûrement, je crois. À mon avis, c'est même indispensable. Les années passent et les diplômés de l'ENA arrivent au plus haut sommet de l'État. En 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing est le premier président énarque et il choisit comme premier ministre un autre énarque, Jacques Chirac. Ce qui continue d'alimenter la critique. Cette école serait une fabrique à élite, loin de la société actuelle. Écoutez par exemple la description de l'énarque type par un ancien élève. Au total, ces énarques, comment se jugent-ils Un jeune homme très brillant, très rigoureux et très sérieux, issu, malheureusement, presque exclusivement de la bourgeoisie parisienne. La bourgeoisie parisienne. En 1991, Édith Cresson alors première ministre décide de transférer l'ENA à Strasbourg. On voit dans une implantation à Strasbourg un élément extrêmement positif, objectif bousculer cette grande école et amener plus de diversité. Pas suffisant pour certains députés, parfois anciens élèves. Si on veut un état moins centralisé, moins jacobin, plus proche des gens, il faut que le moule de l'ENA qui est quand même très centralisateur, très très jacobin Soit considérablement atténuée. En 2009, toujours dans un souci de mixité sociale, une prépa égalité des chances est mise en place pour intégrer l'école. Insuffisant, disent certains. La proportion d'élèves ayant un père cadre était de 70% en 2014. Petit rappel, 45% des élèves avaient un père cadre en 1945. Donc c'est deux pire en pire. Et là, on parle de la quatrième république, mais vous voyez, la cinquième république, elle est pire. Parce que là, vous regardez, encore une fois, je vous le répète, hein, l'intégralité des, des, de l'Assemblée nationale, des gouvernements, des Assemblées nationales, des politiques euh, qui ont le pouvoir, l'intégralité, euh, c'est soit des énarques, soit euh, des, des, des filles d'eux, des fils d'eux, c'est de façon générale la franc-maçonnerie. Hein. Ne cherchez pas. D'ailleurs, euh, 4ème République, 5 République, euh, si vous suivez la France insoumise et Mélenchon, le franc-maçon du Grand Orient, 33 e degré, vous, vous allez recommencer euh, la même comédie, c'est-à-dire eux ils prônent la 6ème République, pourquoi pas la 8 la 10ème, on a le temps, tranquille. On a le temps. La 20e, bientôt, la 20e République, ça marche pas, votre truc. Hein, on a compris, hein, c'est en fait, vous gardez le pouvoir entre vous. Euh, et si vous suivez euh, les autres, ça veut dire Marine Le Pen, bah, est-ce que vous savez que dans le programme de Marine Le Pen, il y avait déjà ce, cette, ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire Enfin, C'est la même chose. Est-ce que vous le savez Bon, c'est à dire que on vous mène à la baguette d'un côté, on vous fait croire que la meilleure des choses ce serait une sixième république, de l'autre, on vous fait penser que la meilleure des choses ce serait une république 5 avec le RIC, mais c'est la même, vous sortez de, de, de la peste pour aller dans le choléra. Euh... Allez, je vais. Vous saluez, les amis. Euh, voilà, mon gilet jaune, il est là. Gilet jaune, mes chers amis, jusqu'à changer de monde et tous les gilets s'il le faut et les banderoles et les écharpes et les casquettes tant que tant que la revendication c'est changer de monde changer radicalement le système, virer les dizaines de milliers de politiques et de fonctionnaires dans toutes nos institutions qui font partie de la franc-maçonnerie ou qui ont euh, un jour ou l'autre euh, euh, transgressé la justice et le droit et les droits euh, fondamentaux des citoyens de nous-mêmes. Euh, donc, je vous rappelle pour demain, les amis, mettez un gilet jaune par-dessus votre tenue. Hein, il fait froid, donc par-dessus votre manteau. Et vivez normalement. N'allez pas sur les parcours qui sont montrés dans les merdias N'allez pas sur les Champs Élysées. N'allez pas autour de, du Palais de l'Élysée. N'allez pas, euh, enfin, les endroits maintenant ils sont connus. N'allez hein, pas Place de la République. N'allez pas place Bastille, allez partout ailleurs. N'allez pas là où vous allez voir euh, de un semblant d'organisation, euh, des, des caméras pour faire de l'orchestration pour BFM TV et les autres chaînes. N'allez pas dans ces endroits-là. N'allez pas sur les Champs-Élysées, place de l'Étoile. Enfin, voilà, maintenant c'est connu. N'allez pas sur les parcours déclaré à la préfecture, n'allez pas vous faire nasser par des gens que vous connaissez pas, qui vont vous emmener par effet de groupe à la confrontation avec les forces de l'ordre, n'allez pas perdre votre temps à parler au CRS ou aux policiers, n'allez pas leur casser la tête, ils n'ont pas besoin de vous, hein. ils s'informent. Par ailleurs, et ils ne peuvent pas quitter leur position et leur poste, donc pas dans l'état actuel des choses, ce serait de la folie, du suicide. Ces gens-là, ils ont des obligations, et il y a aussi plein de d'infractions, de, ça peut même aller loin, hein. ils ne peuvent pas déserter comme ça. Donc il faut attendre, il faut que notre mouvement petit à petit. S'organise et s'organise ailleurs qu'avec les faux gilets jaunes médiatisés qui sont juste l'outil du système. C'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Il y a des initiatives un peu partout, surtout l'éveil des gilets jaunes. Il est progressif. Beaucoup qui défendaient Beck et Angle, Drouet, Nicole, Lidoski. Euh euh, Rodrigue commence un petit peu à douter, plein d'autres ont déjà fini par s'affranchir euh, de, de, de cette euh, manipulation et d'ouvrir et les yeux, de vouloir euh, mettre en place leur propre initiative ou alors de suivre des personnes euh, vraiment hors système, vraiment dissidentes comme votre serviteur, comme d'autres, comme Eric Fioril par exemple. Euh, voilà. Euh, là, le but, c'est d'emmener le mouvement, comme je vous ai dit, jusqu'au beau jour, au mois de mai, au mois de juin, et encore, et encore. Et on voit loin, on voit les municipales, et on voit, on voit loin, tant que ça ne changera pas, et tant que Macron n'aura pas ouvert les yeux sur euh, le fait qu'il y a une répétition de l'histoire, et que là, euh, il va finir comme 2016. Hein, 2016 pardon comme Louis XVI alors on lui coupera pas la tête au roi mais bon il, il, il finira très très mal hein, si jamais il n'ouvre pas les yeux qui se rend pas compte que euh, euh, autour de lui il y a des bulles à commencer par le cercle intime en passant par le cercle des collaborateurs et ainsi de suite il est complètement enfermé dans des bulles successives. C'est le seul qui peut d'abord se sauver lui-même et ensuite lancer un mouvement d'arrestation massif contre toutes ces entités et ces organisations malfaisantes. C'est déjà arrivé par le passé, hein. le pape et le roi ont lancé conjointement des arrestations, de façon très sauvage on va le dire. C'est pour ça que c'était un certain 13, c'est pour ça que le, 13. Ça que le, le chiffre 13 euh, n'est pas aimé en France. Vous trouvez pas de chambre d'hôtel 13, vous trouvez pas de chambre d'hôpital euh, à l'hôpital euh, chambre 13 parce qu'ils en gardent un très mauvais souvenir, hein, la franc-maçonnerie. Hein. c'est vrai que ça a été très sanglant, hein, la, la, les arrestations, beaucoup ont été euh, brûlés. Alors voilà, moi je n'appelle pas à la même chose, j'appelle tout simplement à faire respecter la laïcité, à leur expliquer gentiment que, euh, voilà, ils ne peuvent pas truster comme ça tous les pouvoirs, toutes les institutions, tous les médias. Voilà, mais de façon pacifique, avec le droit, voilà, tout simplement, sans agression. Et le seul qui est en capacité d'accélérer de, de, les choses, de lancer ce mouvement d'arrestation, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron. Donc, c'est pourquoi euh, j'appelle à voter massivement pour la République euh, en marche, à contre-coeur, pour ceci et pour d'autres raisons. Euh, je vous ai expliqué que ce serait une catastrophe si. Euh, L'Union européenne, si les, pendant les élections il y a un succès massif de Merkel, euh, Marine Le Pen et dans d'autres pays euh, européens, donc de extrême, des extrêmes droites ou des extrêmes gauches hein, ou de Mélenchon, Mélenchon ce serait cat catastrophique aussi. Hein. La France insoumise ce serait catastrophique aussi. Hein. Euh, Assolino et les autres ce serait une dispersion de voix. Donc la seule méthode, c'est de voter massivement, encore une fois, la mort dans l'âme pour euh, la République en panne. On n'a pas le choix. Et par contre, on continue le mouvement. Et euh, Macron, il n'est pas éternel. Hein, et son mandat, il va se terminer. Et j'espère qu'on va gagner plusieurs ma mairies euh, lors des municipales. Et ensuite, on continuera. Et il y aura les présidentielles. Alors là... Je pense qu'on sera rodé, formé. Pour ma part, j'ai déjà euh, l'expérience des de législatives. Je vous assure que vous apprenez beaucoup. Hein. Donc euh, voilà, poursuivons l'aventure des gilets jaunes ensemble. Mais ceux qui vous disent, faut pas s'organiser ou c'est apolitique, euh, c'est juste des manipulateurs hein, qui veulent que les, chans, les choses ne change pas d'ailleurs c'est les premiers à vous dire euh, il faut le RIC parce que le RIC c'est pas politique peut-être hein? bon le RIC vous le faites pas dans un système totalement gangréné et corrompu hein? c'est absolument euh, euh, ça n'a pas de sens ce n'est pas sérieux hein? donc euh, les amis demain portez fièrement le gilet jaune n'ayez pas peur il faut vraiment euh, Prendre votre courage, euh, comme on dit, par, euh, par les deux mains. Et aller, là c'est important, aller exprès faire les magasins et dans les centres commerciaux pour que les autres vous voient et qu'ils vous imitent. Parce qu'on est tous, hein, les êtres humains, malheureux, pas malheureusement, ben, on est tous dans l'imitation. Hein, on est tous dans l'imitation. Même si on ne vous montre pas des fois qu'on euh, on veut vous imiter eh bien, les gens retiennent et ils imitent. Voilà, la différence, c'est que nous, par rapport aux singes, on a un très très fort ego. Et notre ego nous pousse à euh, vouloir maquiller les idées des uns en, euh, en invention personnelle. Voilà, c'est l'ego qui pousse à ça. Voilà. C'est moi qui ai trouvé, personne ne m'a poussé, non, non, c'est mon initiative. Bah, ben, c'est pas grave Faites-le que les autres vous voient et que ils finissent à un moment ou à un autre par vous imiter, contaminer les autres par le bien. Il y en a plein qui n'attendent que ça, qui sont déjà éveillés, qui n'attendent que ça pour aller euh, chercher leur gilet jaune et le mettre tout de suite avec vous. Voilà, faites-le les amis, faites-le. Demain, mettez le gilet jaune, sortez, évitez toutes les, tous les endroits. Obtempérer, ça ne sert à strictement à rien. Lorsqu'on vous demande de reculer, vous reculez, vous allez montrer votre gilet jaune ou le porter, vous balader ailleurs, vous partez à 100 mètres ailleurs, vous partez dans le sens inverse, n'allez pas aux confrontations, ça ne sert strictement à rien, juste à donner du, du, du matériel aux merdia. Pour nous salir, nous décrédibiliser, ne leur, ne leur laisser aucune chance. Et évitez, pareil, de leur donner des interviews dans les médias, parce qu'ils vont vous manipuler pour au final ne garder que la partie qui, vous, qui les intéresse. Si jamais on vous tend un micro, bah répétez en boucle une, une même phrase, par exemple euh, il faut lutter contre le pédocriminalité et faire et imposer. Euh, et faire respecter la laïcité à la franc-maçonnerie. Et vous répétez euh, ça, comme ça, ils ne peuvent pas couper, ils sont obligés soit de tout jeter, soit de faire ce passage-là. Ils vous posent des questions et vous répétez calmement euh, la même chose. Ça ne sert à rien sinon de vous laisser embarquer. Ils vont vous piéger pour au final ne retenir que le passage où vous dites euh, Ah oui, mais moi, c'est vrai que je suis contre la casse. Et ils vont juste vous diffuser ça. C'est. Euh, voilà. Allez, je vais vous saluer. Euh, donc, bonsoir à tout le monde, bien entendu, et particulièrement aux personnes donc, qui ont fait un commentaire. Bonsoir jo Joachim euh, Geronimo, bonsoir comme tous les soirs. Euh, il y a Fred Fredo sur mon YouTube de secours, hein, parce que je rappelle aux personnes qui me voient sur mon YouTube euh, euh, donc, officiel hein, en replay que vous pouvez pas voir mes lives parce que je suis puni pendant 90 jours sur les sur les lives par youtube et là j'essaye à chaque fois les 90 jours ne sont pas terminés donc bonsoir Fred Fredo sur mon youtube de secours bonsoir asia marie comme tous les soirs sur facebook bonsoir liège sauval un fidèle parmi les fidèles sur facebook bonsoir Marjorie Siravegna, c'est la première fois que je te vois, mais bienvenue avec plaisir. Euh, bonsoir Vilili aussi, une nouvelle. Euh, bonsoir infidèle donc parmi les fidèles, Alam. Al <laughs> tu t'es marré donc sur la, la vidéo euh, par rapport au, au gars du NPA. Merci frérot. Euh, voilà. Bonsoir Marianne France, comment tu vas? Tu es donc voilà, là on, a, on a trois réseaux ce soir qui, qui s'expriment. Tu es sur VK, VK étant le Facebook russe. Je vous invite vivement à aller y ouvrir un compte parce que Facebook, vous savez, hein, euh, du jour au lendemain, on peut ne plus avoir de compte. Euh, voilà, bon bah tu, tu me donnes raison toi aussi, tu dis bonsoir Mehdi, tu as raison au sujet des forces de l'ordre, même s'ils veulent nous rejoindre, ils ne peuvent pas le faire pour le moment, et je n'aimerais pas être à leur place. Voilà, je partage ton idée. Et bonsoir Yanis Mavi, euh, je crois que c'est la première fois aussi que je te vois. Euh, bonsoir dans toutes les autres et tous les autres que je ne citerai pas et que euh, qui regarderont en euh, différé ou euh, qui ont regardé mais qui n'ont pas laissé de commentaires mes chers amis je vous souhaite une bonne nuit et à demain acte 22 sortez avec les gilets jaunes je vous en supplie euh, à demain soir pour un live comme d'habitude, parce que vous le savez, les personnes qui me suivent, il en va de ma sécurité. Ça m'a déjà sauvé d'un internement. Allez, bonne nuit les amis